musée est une source parce que le musée permet de voir des œuvres originales qui constituent le passé sur lequel on se construit. Au musée Ariana, on a des collections de céramique et de verre, donc des objets qui sont proches des gens, qui sont entre autres de la vaisselle, mais la vaisselle raconte l'histoire des hommes, l'histoire sociale, l'histoire du voyage, bref, l'histoire de l'humanité. Le musée permet d'avoir un accès direct à ses émotions. Et ça, c'est central pour moi. Sur une reproduction d'un tableau ou d'une œuvre, quelle qu'elle soit, on n'a pas exactement la même émotion. Là, on est confronté à l'objet tel qu'il a été fait. Et je pense que ça, c'est une chose qui, pour moi, est fondamentale. La céramique et le verre sont des arts qui sont issus des quatre éléments. Il faut de la terre ou du sable, de l'air, du feu et de l'eau pour faire de la céramique. Donc c'est universel et ça continuera toujours. Et puis le musée est un musée d'une part tourné vers le passé avec des œuvres du passé, mais aussi est une vitrine pour les artistes contemporains. On a eu la chance d'avoir aussi récemment des résidences d'artistes et des artistes qui étaient ravis justement de s'appuyer sur nos collections pour créer des œuvres nouvelles.